tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui jeudi pour faire le point sur les sorties de cette fin de semaine. Quoi de beau au programme de ce week-end de 3 jours? La réponse c'est tout de suite en images. On commence dans les souterrains de Cambrai. Comme chaque semaine, le samedi à 16h30, une visite des souterrains est organisée. Le rendez-vous est fixé devant la Porte Royale, boulevard Paul Bezin. Samedi, on se rend à Bertry pour une soirée divertissement. L'association des Ch'tis Coureurs organise une soirée à 19h30 à la salle des fêtes. Il s'agit d'une soirée quiz par équipe. Droit d'inscription 10 euros. Dimanche, on se rend à l'abbaye de Vaucelles pour la fête de la Saint-Hubert. Celle-ci se tient à partir de 11h avec la messe célébrée dans l'abbaye. À midi, bénédiction des chevaux et des chiens. Et à midi et demi, départ du rallye équestre. Le froid est arrivé, les brocantes extérieures sont donc terminées. C'est donc en intérieur qu'on retrouve ces vides-greniers. Dimanche, à Raillancourt, une brocante se tient de 9h à 18h dans la salle des fêtes. Une autre se tient également à deux pas du Cambrésis, à Arleux, ce dimanche. Et passons maintenant au sport avec un week-end exceptionnel de basket organisé avant poule avec de 14h à 16h un tournoi mini poussin et benjamin organisé. À 16h un match amical de handi basket Cambrai Aulnoy-Aymeri. Et enfin à 20h Cambrai Saint-Quentin un match comptant pour le National 3. Le coup d'envoi sera donné par la Dauphine de Miss France 2012. En football, dimanche en promotion honneur, Écho d'Œuvre reçoit Mouveau à 15h. Pour découvrir tous les autres matchs du secteur, rendez-vous dans l'Observateur du Cambrésis, en vente depuis jeudi 31 octobre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Profitez bien de votre week-end de la Toussaint. Et pour plus d'idées de sortie, rendez-vous dans l'Observateur, en vente dans tous les bons kiosques. Bon week-end à tous!